En ce moment se déroule à Juin-les-Pins le premier salon du livre jeunesse. Une communauté d'agglomération comme Sophie Antipolis, qui a déjà 4 médiathèques et qui a plus de 40 000 abonnés, c'était bien la moindre des choses qu'à un moment donné on fasse ensemble une manifestation d'envergure ouverte à tout le public, aux tout petits enfants comme aux ados, et qui utilise tous les éléments de la lecture publique, qui va du numérique jusqu'au jeu de construction. Et donc c'est le premier salon, c'est un grand succès populaire. Et si vous regardez cette vidéo et que vous avez des enfants, profitez parce que tout est gratuit. On peut commencer au bébé lecteur puisqu'il y a un espace qui organise des cafés biberons. Après, on va passer par des signatures d'auteurs. On peut assister à des spectacles aussi. Cet après-midi, on aura le Petit Chaperon Voix Rouge. On a aussi des séances de cinéma, on a des ateliers cuisine. On a aussi un espace ado qui permet de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'un ordinateur, de se confronter à la réalité augmentée et puis s'informer aussi pour peut-être les parents sur les méfaits d'Internet ou les bienfaits de l'écran quand on l'utilise à des fins documentaires et découvrir encore plein d'autres choses et des conférences aussi également. Le salon vous attend en famille jusqu'à 19h au Palais des Congrès de Juin-les-Pins.